Lève les mains et prions un instant pour écouter la parole. Lift up your hand, let's pray for a moment to listen to the word. Dis Seigneur, parle-moi. Say Lord, speak to me. Par le canal de ton serviteur. Through the vessel of your servant. Transforme ma vie au nom de Jésus. Transform my life in the name of Jesus. Amen. Lisons Jacques 1, 22. Let's read. On peut le faire au compte de 3. 1, 2 et 3. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça veut dire que quelqu'un peut se tromper lui-même par ses raisonnements. It means that somebody can mislead himself through his reasoning. Ce serait tragique. It will be really tragical. Saviez-vous qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, do you know that today in the New Testament, contexte oblige, il n'est plus question de ce que Dieu peut faire. For the sake of context, it's not a matter of what God can do. Je veux que tu l'écrives. Dis, dans le Nouveau Testament, il n'est plus question de ce que Dieu peut faire. In the New Testament, it's not a question of what God can do. Pourquoi? Why? Parce que toi et moi, because you and I, nous avons un avantage. We have an advantage. Nous avons la Bible, la parole de Dieu. We have the Bible, which is the word of God. Et dans cette parole de Dieu, and in that word of God, nous voyons ce que Dieu est capable de faire. We see what God is able to do. Nous avons vu qu'il a été capable d'ouvrir la mer avec Moïse. We noticed that he had been able to open the sea with Moses. De faire descendre du feu. To bring the fire down. Avec Élie. With Elijah. Nous avons vu qu'avec Jésus, il a été capable de ressusciter même des morts. We saw that with Jesus, he had been able to resurrect dead people. Nous avons vu qu'il a été capable de dire à Pierre, n'est-ce pas, va pêcher un poisson et tu trouveras de l'or dans la gueule du poisson, l'or avec lequel tu paieras à César ce qui est à César, son impôt. We said that with him, Peter, go and fish and you'll find a golden coin. En fait, dans tous les aspects de la vie, in all aspects of life, la Bible nous montre ce dont Dieu est capable. The Bible is showing us what God is able to do. Et quand vous regardez votre propre vie dans la dimension de ce qu'il a déjà accompli pour vous, vous réalisez que Dieu est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement humain. And when you analyze your life at the dimension of what God did, you notice that he can do above or beyond what he had done. Donc la vérité, then the truth, c'est que tu ne viens pas ici is that you're not coming here pour savoir ce que Dieu peut faire. To know what God can do. Tu es censé le savoir. You're supposed to know it. Tu viens ici, you come here, pour apprendre, to learn, ce que toi, what you, tu es capable de faire, you are able to do, avec le nom de Jésus. With the name of Jesus. Non, j'ai l'impression que tu ne m'as pas compris. Ça, c'est une base importante. You didn't get me. It's a very important basis. Ce que Dieu peut faire ne souffre d'aucune contestation. There is no problem about what God can do. Touche quelqu'un, dis-lui, il ressuscite les morts, c'est vrai. Tell someone he resurrects dead people, that's true. Ouvre la bouche, dis, il ressuscite les morts, c'est vrai. He can resurrect dead people, and that's true. Il est le chemin, la vérité, la vie, c'est vrai. He's a way, the truth, and life, that's true. Nul ne part au Père sans passer par lui, c'est vrai. No one can get a father without him. Il est Dieu dans un corps humain, c'est vrai. He's God in a human body, that's true. Il nous a réconciliés avec Dieu, c'est vrai. He reconciled us with God, that's true. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir, c'est vrai. He made himself poor to make us rich, and that's il a payé des prix pour que nos vies ne soient plus les mêmes, c'est vrai. Il est créateur des cieux et de la terre, c'est vrai. He's the creator of the heaven and earth. L'or et l'argent lui appartiennent, c'est vrai. Gold and silver belong to him, that's true. Il y a des bases, there are some bases, que nous sommes censés savoir that we're supposed to know concernant le Dieu que nous servons. Concerning God that we're serving. Le problème, the problem, n'est pas au niveau, is not at the level, des capacités de Dieu. Of the capacity of God. Le problème réel, the real problem, se trouve, is dans la compréhension des choses que tu as, in the understanding of things, de ce que toi tu peux faire, of what you can do, au nom de Dieu ou au nom de Jésus. In the name of God or in the name of Jesus. J'ai dit redresser la situation.
I had to straighten up the situation. En mettant en pratique la parole de Dieu. By just practicing the word of God. Alors pose la question à quelqu'un près de toi. Que peux-tu faire? Then ask somebody, what can you do? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Have you ever put this question to yourself? Parce que si tu t'es jamais posé la question de savoir ce que tu peux faire, because if you have never put yourself that question, avec le nom de Jésus, with the name of Jesus, what you can do, c'est que tu ne vis pas dans le Nouveau Testament. It means that you are not living in a New Testament. Il y a 2000 ans, 2000 years ago, Christ a fait le changement. Christ made a shift, a change. Il nous a donné la domination. Dis très fort la domination. Say dominion. Je n'ai rien entendu là. Say dominion. Il nous a donné l'autorité. Authority. Dis l'autorité. Say authority. Il nous a donné le pouvoir. Power. Dis le pouvoir. Say the power. De changer les choses. To change things. Donc en réalité, then, in reality, aujourd'hui, today, chacun d'entre nous each of us peut rendre sa vie aussi glorieuse qu'il souhaite l'avoir. Can make his life glorious as he wishes to be. Je répète. I'm saying it again. Aujourd'hui, chacun d'entre nous peut rendre sa vie aussi glorieuse qu'il l'avoir. You can make your life as so glorious as you wish. La clé, the key, c'est d'agir is to act sur la parole. On the words. C'est d'agir to act sur la parole. On the words. C'est d'agir is to act sur la parole. On the words. C'est d'agir is to act sur la parole. On the words. Beaucoup de gens sont restés dans des situations pénibles, difficiles. Many people remain in difficult situations. Attendant que Dieu vienne changer leur situation. Expecting God to come and change their situation. Il y en a qui chantent et qui crient du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Some sing from sunrise to sunset. En disant Dieu ouvre un chemin. By saying God open a way. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Where everything seems to be closed. Tu me chantes ce chant pendant 20 ans, le chemin est fermé. You sing that song for 20 years, the way will remain closed. Cela ne remet pas en question la capacité de Dieu à ouvrir le chemin. It doesn't question the capacity of God to open a way. Mais cela veut dire que tu n'as pas compris ta responsabilité en Dieu pour que le chemin soit ouvert. But it means that you have not understood your responsibility for the way to be open. Oh my God. Oh mon Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Do you understand what I'm saying? Cela veut dire que tu n'as pas compris ta responsabilité en Dieu pour que le chemin soit ouvert. It means that you have not understood your responsibility in God for the way to be open. Il y a 2000 ans, 2000 years ago, le chemin, the way, a porté le nom d'un humain, fils de l'homme, born the name of a human, a été tracé pour nous conduire vers Dieu et vers tout ce que Dieu a. It was made to lead us to God and to everything God possesses. Ce chemin, c'est Jésus-Christ. That's where is Jesus Christ. La Bible dit qu'il nous a sauvés. The Bible said that he saved us. En fait, quand vous lisez Abdias 1, verset 21, donnez-moi Abdias 1, verset 21. When you read Obadiah 1, verse 21, restez assis et lisez-moi ce texte à haute voix au compte de 4. 1, 2, 3 et 4. Les libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. À l'Éternel appartient le règne. To the heaven belongs the reign. Mais sur le mont Sion, c'est l'Église. But on the Mount Zion is the church. Des libérateurs monteront. Freedom people, free people will come. Ici, tu es sur le mont Sion ce matin. Here we are on the Mount Zion this morning. La pensée de Dieu, the thought of God, c'est que les sauvés, is that those who are saved, deviennent des sauveurs. Become those who saved. Les libérés, those who are free, deviennent des libérateurs. Become those who free people. Et tant que tu ne comprendras pas, and as long as you not understand it, qu'en fait that, Dieu reste ce qu'il est, that God remain what he is, mais il s'attend, but he's waiting, à tes œuvres, he's waiting for you, pour pouvoir manifester sa gloire, to be able to manifest aussi longtemps que tu ne comprendras pas ça, as long as you not understand it, ta vie restera au même endroit, your life will remain at the same level. Les libérateurs, the liberators, c'est nous, are us.
Il est le libérateur. He is a liberator. Il est le sauveur. He is a savior. Je suis un libérateur. I am a liberator. Je suis un sauveur. I am a savior. Qui es-tu? Who are you? Ouvre les yeux, regarde quelqu'un, dis, est-ce que tu réalises que toi tu es un libérateur? Open your eyes and look at somebody, tell him, do you realize that you are a liberator? Non, tu ne parles pas bien là. Dis, no. est-ce que tu réalises? Do you realize it? Parce que aussi longtemps que vous ne réalisez pas ce que vous êtes, vous ne pourrez jamais accomplir ce que Dieu attend de vous à cause de votre mentalité. Because as long as you not know who you are, God will not be able to do what he has to do because of your mindset. Dieu ouvre un chemin. God opens a way. Tu penses, do you think, que Dieu va ouvrir le chemin pour toi? That God will open the way for you. Tu es dans l'erreur. You are making a mistake. Dieu a déjà ouvert le chemin. God has already opened the way. Jésus ne redescendra plus. Jesus will no longer come down again. Pour subir ce qu'il a subi. To undergo what he underwent. Il a achevé sa mission, il est monté. He has completed his mission. Quand il revient, c'est pour nous chercher. When he comes here, he just c'est ce qu'il a accompli qui parle pour nous. This is what he performed, accomplished, that is speaking on our behalf. Regarde ton voisin, dit, le chemin ne sera pas ouvert. Tu te trompes si tu penses comme ça. Say to your neighbor, the way will not be. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Oui. Tu te trompes. Le chemin ne sera pas ouvert. The way will not be open. Le chemin a déjà été ouvert. The way is already open. La véritable question, c'est comment tu t'engages dans le chemin. The true question is how you involve pour expérimenter ce qui a été accompli dans le dit chemin. To experience what is accomplished in that way. C'est pas ton plus grand ennemi, c'est ta mentalité. That's why your greatest enemy is your mindset. J'étais en face de cette petite fille paralytique. I was in front of this small lady who was souffrant d'une fièvre atroce que je ne pouvais même pas toucher de la main parce qu'elle était plus que brûlante. Suffering from a serious fever because she was burning. Je la regarde, je n'étais pas encore un pasteur. In that time, I was not yet a pastor. Oh, touche quelqu'un, dis-lui pas besoin d'être un pasteur. Tell someone and tell them you don't need to be a pastor. Touche quelqu'un, dis-lui pas besoin d'être un pasteur. Tell somebody you don't need to be a pastor. J'avais juste le Saint-Esprit. Just believe in the Holy Spirit. La connaissance des Écritures. The knowledge of the Scriptures. Je l'ai regardé, je lui ai dit. I looked at her and I said to her. Je ne veux plus te voir malade. I no longer want to. Ça suffit. Be sick. It's enough. Et je la laisse et je pars parler avec sa mère. And I spoke with her mother. Et sa mère qui me touche. Her mother touched me. Deux trois minutes après, qui me dit regarde. 3 minutes later, she said look. Et je regarde. And I looked. La petite en train de gambader partout. The little girl was jumping everywhere. Et la fièvre a totalement disparu. And the fever disappeared. Sa mère était choquée. Her mother was shocked. Oh, vous ne me comprenez pas. Sa mère était scandalisée. Her mother was scandalized. Mais je vous dis honnêtement, but I'm telling you honestly, ce miracle, that miracle ne m'a pas touché. Didn't touch me. Au moment où j'ai déclaré the time I declared, que je ne la voulais plus dans cette condition, that I didn't want her to be in this condition, j'y croyais tellement I strongly believe in que pour moi le miracle il était là. That for me, the miracle was ce qu'elle there. A fait après, on appelle ça la manifestation du miracle. What she did later is a manifestation of the miracle. Mais le miracle il était dans ma bouche. But the miracle was in my mouth. Dieu m'a utilisé comme un sauveur. God used me as a savior. Comme un libérateur. As a liberator. Et c'est ce qu'il veut de son église. And this is what he expects from the church. Des sauveurs. Saviors. Et des libérateurs. And liberators. Je vais répondre à cette question. Tout ce que quelqu'un demande, pourquoi est-ce que tu pries? Ask somebody, why do you pray? Un jour, Dieu m'a appris ça. One day, God taught it to me. Dans les Écritures, il y a plus de 100 types différents de prières. Les prières sont différentes dans l'enseignement, dans les Écritures. Il y en a énormément. We have many types of prayer in the Scriptures. Il y a des prières de supplication, par exemple. We have supplication prayers. Qui t'engage soit dans la présence de Dieu ou dans ta chambre. That engages you in the presence of God. En train de crier à Dieu pour une situation. By shouting to God for your case. Que tu veux voir Dieu changer. That you want God to change. C'est normal. It's normal.
Il y a des prières d'invocation. There are prayers of invocation. Il y a des prières de combat. There are prayer of war. Il y a des prières d'adoration. There are prayer of worship. Et de louange. And praise. Il y a différents types de sortes de prières dans les Écritures. Different types of prayer in the scripture. Qui t'engage dans ta relation unique et personnelle avec Dieu. Engaging you in your personal relationship with God. J'étais à une campagne d'évangélisation un jour. I was attending a campaign, evangelism campaign. Quand one je day, me suis mis à genoux, j'ai commencé à adorer. When I kneeled down and started to worship. Honnêtement, ce que je n'avais pas fait d'ailleurs avant d'être à cette campagne. Honestly, what I didn't do before attending the campaign. Et puis j'ai entendu une voix qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? And I heard a voice asking me, what are you doing? Tu es sur un champ de bataille. You are on a battlefield. Et là, tu m'adores. And here you're worshiping me. Il me dit, lève-toi, ce n'est pas le lieu pour faire ça. He says, stand up, this is not the appropriate place to do that. Tu vois ce peuple qui est venu là? You saw the people here. Ils sont venus voir Jésus. They're here to see Jesus. Et tu sais quoi? And you know what? Le Jésus qu'ils doivent voir, the Jesus they have, they must see, est en toi. Is in you. Donc, then, s'il te plaît, please, n'appelle pas Jésus. Don't call Jesus. Donne-leur le Jésus qui est en toi. Give them the Jesus you have within you. Fais bien ce que tu fais. Je suis en train de te dire. I'm just telling you. Et le Jésus qui est en toi, c'est le Dieu des miracles. And Jesus within you is the God of miracles. Il faut leur servir ce Jésus-là. Just serve them that Jesus. Parce que quand il te voit, because when he sees you, il voit Christ. He sees, they see Christ. Je vais être honnête avec vous. I'd like to be honest with you. Tant que les membres de votre famille, as long as the members of your family, n'ont pas encore vu Christ en vous, have not yet seen Christ in you, c'est-à-dire vous utilisant vous comme un libérateur, using you as a liberator, Christ n'est pas formé en vous. Christ is not yet formed in you. Maintenant, quand on a la conscience qu'on est un libérateur, when you have the conscience of a liberator or a redeemer, et qu'il y a un problème, and there is an issue, quand on peut le résoudre, on n'appelle pas Dieu. When we can settle it, we don't cry for God. C'est ridicule de faire ça. It is really ridiculous. Je l'explique. I'm going to explain it. Quelqu'un vient vers toi, il est midi. So, somebody comes to it 12 o'clock, he's hungry. Okay. Tu en as en abondance. You have food in abundance. Tu ne peux pas dire à cette personne, you cannot say to that person, que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Vas-y, Dieu va t'exaucer. Go, God will grant your prayer. Tu vas trouver quelqu'un qui va te libérer, qui va t'aider. You'll find somebody who will bring you help. Que tu n'as pas compris ta fonction. It means tu that you es have, un libérateur. You have not understood your function. You are a liberator. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. I don't know if you understand me. Tu ne remplaces pas Dieu. You cannot substitute God. Mais Dieu peut te faire Dieu pour certaines situations. God can make you God to settle some issues. Déclare, je suis un libérateur. Declare, I am a redeemer. Plus fort, je suis un sauveur. I am a savior. Je n'entends rien. Dis-le avec révélation, avec puissance. Say with revelation. Et vous savez, avec Abdias, c'est exactement comme ça que Dieu nous appelle, hein? With Obadiah, it's the same way God is calling us. Dieu dit des les libérateurs vont se lever et monter à la montagne de Sion. Ça veut dire que à chaque fois que moi je viens sur cette montagne, each time I come on that mountain, Dieu me voit comme un libérateur. God sees me as a liberator. Donc je dois travailler, that I must work, sur ma fonction, on my function, de libérateur. Of a liberator. Touche quelqu'un, dit tu as besoin de mieux connaître cette vérité. Tell someone, tell them you need to really know that truth. Touche le, dit tu as besoin de mieux connaître cette vérité. You really need to know that truth. Le problème aujourd'hui ne réside pas en ce que Dieu peut faire. The problem today doesn't lie in what God can do.
Si je te le demande, tu vas me réciter ta leçon correctement. If I ask it to you, you recite your lesson correctly. Mais si je te demande à toi, qu'est-ce que toi tu peux faire? But if I ask you what you can do, ce n'est pas sûr que tu me réciteras cette leçon correctement. I'm not sure that you recite correctly that lesson. Genèse 39, 2 à 6. Genesis 39, verse 2 to 6. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. L'Éternel fut avec qui? Avec Joseph. The Lord was with Joseph. L'Éternel fut avec Joseph. The Lord met with Joseph. Et la prospérité accompagna Joseph pendant qu'il habitait dans la maison de son maître appelé Potiphar. And prosperity was with him when he was in the house of his master. Donnez-moi le verset suivant. The following verse. Son maître vit his master said que l'Éternel était avec lui. That the Lord was with him. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. And the Lord made prosperous all his endeavors. De qui est-ce qu'on parle? On parle de l'esclave Joseph. Who are we talking about? We're talking about the Joseph the slave. Le verset suivant. The following verse. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. À un esclave. To a slave. Ensuite. Next. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause d'un libérateur. The Lord blessed the house of because of the deliverer. Regarde quelqu'un, dis-lui à cause d'un homme, Dieu peut te bénir. Look at somebody and tell them for the sake of non, the non, man, tu ne parle correctement. Parle le langage de Dieu. Speak the language of God. For the sake of a man, God can bless you. À cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ, au travail. Amen. Regardez ces écritures. Look at these scriptures. Elles sont importantes. They are very important. Donnez-moi le dernier verset. The last verse. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Amen. Bien-aimé, beloved, Joseph était un prisonnier. Was a prisoner. Vrai ou faux? True or false? Je vous épargne les détails. Let me spare the details. Vrai ou faux? True or false? Ses frères, his brothers, propres frères, own brothers, c'est toujours comme ça. Always like ça that. Ça vient de la maison. It always come from the house. L'ont jeté dans un puits pour le tuer. Thrown him in a pit to kill him. Quel était le miracle du puits? What was the miracle of the pit? Dieu a permis une chose incroyable. Il n'y avait pas d'eau dans ce puits. God allowed an incredible thing is that there was not water. Donc on te in jette the... dedans, mais tu te noies pas. Then you from there, but you cannot get parce que s'il y avait de l'eau, il se serait noyé. He would have got drowned if there were water in it. Tu sais que lorsque Dieu a un plan pour toi, même quand il permet que les gens te jettent quelque part, il se rassure que là où on te jette, ça peut pas te tuer. When God has a plan for you, he makes sure that the place put you cannot die. Votre amen n'est pas convaincant. Donc, le petit Joseph, 17 ans, il a été jeté là, the little comme ça, was put in a well, dans le puits. In mais il n'y avait pas d'eau dans le puits. But they didn't have water in the well. Je ne veux pas aller dans le sens de cette restauration. Je veux rester sur ta mentalité. I just want to focus on your mindset. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand me? Il n'est pas mort là. He didn't die. Ce qui s'est passé juste après, what happened later, l'étape du puits, il va de mal en pire. Hein? He's going from ses frères water. Par Judas le prennent et puis le vendent comme un esclave. His brother sold him as a slave.
Joseph est vendu, il arrive en Égypte, il est acheté par un homme riche. He is bought by a rich man. Mais il aurait pu être acheté aussi par quelqu'un de petite condition. He could have been bought by a poor, let's say a medium-sized person. Il a acheté par un homme riche qui s'appelle Potiphar. He was bought by a rich person called Potiphar. Et à peine entré dans la maison de Potiphar, Potiphar lui confie la responsabilité de toute la maison, de tous les biens, parce que Potiphar a discerné que ce jeune esclave transportait quelque chose de différent qui faisait que là où lui il était, il y avait la bénédiction d'un Dieu qu'il ne connaît pas. Mais ce Dieu-là déposait sa bénédiction dans sa maison à cause de la présence de ce jeune homme. Potiphar gave him the responsibility of the house. Est-ce que tu es conscient de ce que tu transportes? Are you aware of what you carry? Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'attitude de Joseph. What I'm interested in is the attitude of Joseph. Il a souffert pendant 13 ans. He suffered for 13 years. Mais quand on écoute le récit de Joseph, Joseph n'a jamais dit Joseph has never said qu'il a souffert. That he suffered. C'est moi qui ai lu l'histoire. I am the one who read the story qui dit que Joseph a souffert. Who saying that Joseph suffered. Mais Joseph lui-même Joseph himself a dit à ses frères, said to his brothers, ne vous en faites pas. Don't worry. Le mal que vous avez voulu faire, the evil you were, you Dieu l'a retourné en bien. God turned it into venez, a good thing. Mes frères. Come, my brothers. Joseph n'a jamais Joseph never dit said qu'il avait souffert. That he suffered. C'est nous, lecteurs des Écritures, readers of the scripture, qui sortons cette conclusion. We say we ça veut dire que dans la mentalité de Joseph, that in Joseph's mindset, il était dans une position telle he was in such a position qu'il refusait d'être une victime. That he refused to be a victim. À chaque fois que tu acceptes d'être une victime, each time you accept to be a victim, tu te fais prisonnier d'une situation. You make yourself a prisoner of the situation. Jamais. Never. Il se retrouve dans la maison de Potiphar. He found himself in the house of Potiphar. La Bible dit que c'est lui qui était la lumière qui rayonnait dans la maison de Potiphar. The Bible says it was a light shining in his house. Pour avoir honoré Dieu. For having honored God. Non, non, laissons Dieu. Pour avoir honoré les enseignements de son père Jacob. For having honored the teaching of his brother, father Jacob. Il a dit non à la femme de Potiphar. He said no to the wife of Potiphar. Et pour avoir dit non au péché. For having said no to the sin. En présence du Dieu de son père. In the presence of God of his father. Il a été jeté encore injustement en prison. He was thrown unrightfully où il a passé prison. Quand même quelques années. Where he spent some years. Sans que ce Dieu ne réagisse ou n'agisse. Without God reacting. Mais la Bible dit. But the Bible says, de Joseph. From Joseph. Qu'il était la joie. That he was the joy. De la prison. Of the prison. Donnez-moi la suite des textes. The following. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. J'arrive dans une maison en tant qu'esclave, on me met chef. I call him chief. Je rentre dans la prison. I get into the prison. Je suis accusé à tort. I am wrongly accused. Je ne me plains pas. I don't complain. Tout ce quelqu'un demande, tu te plains de quoi même? Tell someone and tell them why are you complaining? Non, ouvre la bouche, demande, mon ami, tu te plains de quoi même? Why are you complaining or what are you complaining for? Il arrive en prison. He arrived in prison. Il ne se plaint pas. He didn't complain. Il ne se lamente pas. He didn't warm. Mais chose incroyable. But incredible things. Le chef de la prison, the head of the prison, le prend et l'établit. Le nouveau venu là, il devient le patron de tous ceux qui étaient les anciens prisonniers. The newcomer became the boss of the former student of former prisoners. Continuons la lecture. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers. C'est le patron de tous les prisonniers. Then he was the boss of all the prisoners. Qui étaient dans la prison avant lui. Who were in the prison before him. Pas besoin d'être là au départ pour être chef. You don't need to be at the beginning to be the master, the chief. Quand tu transportes la faveur de Dieu. When you carry God's favor.
Et la Bible dit, and the Bible says, il devient donc leur chef. He became the boss. Et tout ce qui se faisait dans la prison là, and everything that happened in the rien prison, ne se faisait sans l'accord de Joseph. Nothing was done without the agreement of Joseph. C'est-à-dire, même dans la prison, il était devenu un libérateur. Even in the prison, he became a deliverer. Alors, verset 6. Joseph était venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. They were sad. Il trouve deux prisonniers et il a le temps de constater qu'ils sont tristes. He noticed that the prisoner was sad. Ok? Vous savez pourquoi? Do you know why? Il a remarqué la tristesse. He noticed sadness. Parce qu'il était en joie. Because he was in joy. Quand tu es en joie, when you are in joy, et que tu passes auprès de quelqu'un qui est triste, and you pass by somebody si who tu is es spirituel, tu le ressens. If you are a spiritual man, you can feel it. C'est tout à fait normal et naturel que des gens qui vivent en prison soient tristes. Joseph n'admettait pas que sous son autorité, il y ait un seul prisonnier qui soit triste. Joseph could not admit that a prisoner be sad under his authority. Il était la joie dans la prison. He was a joy in the prison. Quelqu'un qu'on a jeté dans un puits, il n'est pas mort. Somebody who they thrown in a pit, but he didn't die. On l'a vendu comme un esclave, il s'est pas plaint. Son Dieu était présent. He was sold as a slave, but he didn't complain. His God was there. On l'a envoyé en prison, son Dieu était là, et il n'a rien dit pendant des années. To prison, his God was there. Mais dans cet état, but in that state, il a remarqué qu'il n'y avait pas d'eau dans le puits. He noticed that there was no water. Il a remarqué que arrivé chez Potiphar, il était devenu le chef. He noticed that at Potiphar's house, il a remarqué que même dans la prison, il était devenu le chef. He noticed that even in the prison, he was the chief. Quelle place voulez-vous? What position do you want? Que Joseph puisse donner à la victimisation. Joseph to give to victimization. Ou à la tristesse. Or to sadness. Oh Seigneur, donc depuis là tu ne me vois pas. Oh Lord, how you for a long time you know you cannot mais see me. Mais j'écris à toi, ça fait 13 ans. Lui, il a fait 13 ans. I have been shouting to you for 13 years. You don't see me. Je suis fatigué. I am tired. Ça ne t'enverra nulle part. It will lead you nowhere. Va vers quelqu'un, dis-lui, tu m'arrêtes cette attitude, elle est démoniaque. Go towards somebody and tell them, stop that attitude, it is a demonic one. Dis-lui, elle est démoniaque. Tell them, it is a demonic attitude. Elle est diabolique. It is diabolic. Nous sommes assis. Let me see it. En fait, qu'est-ce que je veux ressortir ce matin? What do I want to bring out this morning? Je suis en train de te dire, I am just telling you, que lorsqu'une situation courbée ou difficile vient vers toi, that when a bad situation comes to you, c'est ta responsabilité de redresser la situation et ce n'est pas la responsabilité de Dieu. It is your responsibility to straighten up the situation. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que la balle n'est pas dans le camp de Dieu, la balle est dans ton camp. What I would like you to understand is that the ball is by your side. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, that's why Jesus said, tout pouvoir m'a été donné. All power has been given to dans les cieux et sur la terre. In the heaven and on the earth. Et puis le même Jésus dit, and the same Jesus said, moi je vous donne ce pouvoir. I have given you that power. Ce que vous lirez sur la terre, moi Jésus je le lirai dans le ciel. Ce que vous déciderez de délier sur la terre, moi je le délierai dans le ciel. What you lose on the earth, I lose it in the heaven. Ce même Jésus nous dit en Luc 10:19, the same Jesus said in Luke 10, 19, je vous donne, I am giving you le pouvoir, the power de marcher to walk sur les serpents, on snakes, sur les scorpions, on scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, on all the power of the enemy, et rien ne pourra vous nuire. And nothing can destroy et toi tu dis, and you say, Seigneur, il y a des serpents, il y a des scorpions, scorpions qui me fatiguent, viens marcher dessus. Come and walk on il them. Dit non, he says no, tu vas prier ainsi en vain. You will walk. Je t'ai donné le pouvoir. Exerce-le. La balle n'est pas dans mon camp. La balle est dans ton camp. Lève-toi. À
agis par la prière, agis par tes actions de foi, et tu verras la situation transformée. Oh, je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Je ne suis pas dans cette mentalité là. Don't share this mindset. Si Dieu le veut, il va le faire. If God wishes, he will do it. Si Dieu ne veut pas, il va pas le faire. If he doesn't want it, he will not be able to do it. Me dire ça, c'est m'insulter. Saying this to me, it just c'est insult. Insulter. It insults la connaissance que j'ai de ce Dieu là. My knowledge of the God. Je ne suis pas je n'adore pas un Dieu. I don't worship c'est God. Pas magie. A magic c'est God. Pas est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Is it going to work or not? Quand Dieu le voudra. When God will want it. Si Dieu le veut. If God want it. Touche quelqu'un, dis-lui attends. Touch somebody and tell them wait. Continue d'attendre. Go on waiting. Tu seras déçu. You'll be disappointed. Ce sont des libérateurs. They are deliverers. Qui monteront sur la montagne de Sion. Who will climb by the mount of Zion. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils sont des libérateurs. But they need to understand that they are deliverers. Si ça ne va pas en famille. If it doesn't work in the family. Je suis le libérateur que Jésus a trouvé. I am the deliverer that Jesus. Si ça ne va pas à la maison. If it doesn't work at home. Tu es la libératrice que Jésus a trouvé. Bon, est-ce qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire? Si ça ne va pas au travail parce que le patron là c'est un sorcier, il détruit les gens, il fait des incantations sur notre argent, il nous donne des salaires mais dans des sacs percés parce qu'il adore le dieu de l'argent qui est mammon. C'est à moi de résoudre son problème, c'est pas Jésus, c'est moi qui transporte Jésus. Il m'a placé là pour que les ténèbres ne puissent pas régner. Je vais même te dire une chose maintenant qui va te choquer. I want to say something that will shock you. La lumière de Dieu, the light of God, n'éclaire pas les ténèbres. Does not shine in the darkness. Attends, wait. Faut comprendre. We must understand first. Donnez-moi Genèse 1:1. Genesis 1:1. Lisez. Read. Au commencement. Dieu créa les cieux et la les cieux. Et la terre. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Avant que Dieu le Père, before God the Father, n'appelle la lumière, called the light, où était-il? Where was he? Tout ce qu'il avait créé là, everything he created, il y avait des ténèbres. There was darkness or not? Il était où? Where was he? Il était dans les ténèbres. He was in the darkness. Sans être ténèbres. Without being a darkness. S'il appelle la manifestation de la lumière. If after the manifestation of light. Alors qu'il est le père des lumières, yes, the father of light, il était dans les ténèbres en étant invisible. He was in the darkness of being invisible. Bon, je te l'explique autrement. I'm going to explain it another way. La Bible dit de lui qu'il est dans une lumière inaccessible. The Bible says that he's in an inaccessible light. Lorsque tu regardes une lumière inaccessible, tu ne peux pas la regarder. When you look at an inaccessible light, you cannot stay at it. Ça veut dire que cette lumière que tu ne peux pas regarder devient pour toi ténèbre. It means that that light becomes a darkness for you. Tu peux m'expliquer ce qu'il y a dans le soleil? Can you explain to me what is in the sun? Bon, faut être un sorcier qui va là-bas souvent. You need to be a sorcerer going there from time to time. Okay. Donc Dieu était dans les ténèbres. That God was in the darkness. Sans être ténèbres. Without being a darkness. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Now what did he do? Ça c'est Dieu le Père, hein? This is God the Father. Ici. Here. Allez au verset 1. Verse Genèse 1:1. Genesis 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu le Père. God the Father. Verset 2. Verse 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 2, présence du Saint, de,
d'un esprit dans le Saint-Esprit. The presence of a spirit in the Holy Spirit, verse 2. Ou d'un esprit en Dieu. The spirit in God. Verset 3. Verse 3. Dieu dit, God says, que la lumière soit. Let light be. Avant qu'elle ne soit. Before it is. Où était-il? Where was he? Dieu n'a pas de problème à vivre avec toi lorsque tu es dans les ténèbres. God doesn't have any problem to live with you when you are in the darkness. Jésus n'a pas de problème à être dans une barque quand le vent, la tempête et la mer soufflent et décident de faire chavirer la barque. Il est présent, mais il n'agit pas. Il dort. Ça veut dire qu'il est où? Jesus doesn't have a problem being on a boat with the storm raging. He was sleeping. And where was he? Comment l'action de Dieu arrive? How does the action of God come? Elle ne vient pas par la présence de Dieu. It doesn't come by the presence of God. Elle vient par la main de Dieu. It comes with the hands of God. Jésus se lève, il sort des ténèbres. Jesus rose and come out of the darkness. Il lève la main. He lifted up his hand. La mer se calme. The sea. Pourquoi quieted? La mer se calme? Why did the sea? Number one, quieted? Il a levé la main. First, because he number two, il a parlé. Number two, il a dit stop. He spoke and said stop. Toi, tu ne parles pas. You don't speak. Et tu veux que Dieu change ta situation. And you want God to change your situation. Tu es responsable de ce que tu vis. You are responsible of what you're living. Arrête d'accuser Dieu. Il n'en est pas responsable. Stop accusing God. He's not responsible. Qui est en train de comprendre ce que je dis là? Who is getting what I'm saying? Le monsieur, the man, se tape 13 ans dans la, ce que moi j'appelle la souffrance. Lui, il ne voit pas ça en souffrance. Spend 13 years in suffering, but he doesn't si see j'ai suffering. Appris à être chef, to be a chief, en tant qu'esclave, as a slave, dans la maison de Potiphar, in the house of Potiphar, et que je suis chef, and I am a chief, dans la maison des prisonniers, in the house of the le jour où Dieu me délivre de la prison, the day God delivers me comment from the prison, ne serais-je pas chef des gens qui sont libres? Chief of a free donc, man. J'ai... Ce que vous appelez souffrance. What you calling suffering? Joseph dit que c'est le bien que Dieu lui a fait. Joseph said it is the good that God did to him. Problème de mentalité. Just a problem of your mindset. Il y a des souffrances qui sont nécessaires. There are some suffering that are necessary. Pour la formation de ton caractère. For the training of your character. Et dans ce sens, and in that, on ne les appelle pas souffrance. We don't call them suffering. On les appelle formation. We call them training. Je vais finir là. But I'm going to end here. C'est à toi de faire quelque chose. It's your responsibility to do something. Pour améliorer la situation de ta vie. To improve your situation. Regarde quelqu'un dit ce n'est pas à Dieu. Look at somebody tell them it's not tu God's responsibility. Ça. Stop it. C'est la raison pour laquelle nous qui avons compris cela. That's why we who have understood it. Quand ça ne va pas. When things not going well. On va dans l'esprit, on demande à Dieu qu'est-ce que je dois faire. We go in spirit and ask God what we have. Parce qu'on est conscient que si on ne joue pas un rôle. Because we are aware that if you don't play a le role, ciel s'engagera pas. The heaven will not engage. On peut pas attendre de façon passive. We cannot wait. Ce n'est pas la vie à laquelle Christ nous a appelés. This is not the kind of life. Ça c'était pour les gens de l'Ancien Testament. This was for the men of the Old Testament. Seigneur, ça ne va pas ici dans tel domaine. Qu'est-ce que je dois faire? God is not going well in this field. What must I do? Ça c'est la bonne question. This is the right question. Pas qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Not what lui, you must do. Il a fini sa mission. God has finished his assignment.
Il a achevé sa mission. He has completed his assignment. Lorsque la situation est courbée, mais c'est à toi de la redresser, c'est pas à Dieu de le faire. When the situation is bent, you must straighten it up, not God. Vous comprenez ce que je veux dire? You understand what I want to say? Je suis juste là pour te dire ce matin, il faut que tu changes ta mentalité. I'm just here to tell you that you must change your mindset. Vous savez pourquoi je chasse les démons? Do you know why I cast out demons? Parce que c'est pas à Dieu de le faire. Because this is not the responsibility of God. Qu'est-ce qu'il a dit? En Marc 16, 17. In Mark 16, 17. En mon nom. In my name. Il. They. Dans le il, tu es dedans. In they, you are included. Le premier signe qui montre que toi tu as Dieu, c'est que tu dois chasser des démons. The first sign showing that you have God is that you must cast out un demons. Un pasteur qui chasse pas des démons m'inquiète. A pastor who does not cast out demons worries me. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? In my name, what will they en mon nom, avant même de parler en langue, en mon nom, ils feront quoi? Before speaking in tongue, in my name. 18. Ils feront quoi? What will they do? Ils saisiront. Ça, c'est les démons. They will grab c'est une forme d'esprit. Donc, c'est Dieu qui doit attraper les esprits ou bien c'est toi qui dois les attraper? Is it God who shall grab spirits or you? Regarde-moi, réponds-moi, c'est Dieu ou bien c'est toi? Demande à ton voisin, c'est Dieu ou bien c'est toi? Ask your neighbor, is it God or you? Ça ne change pas. Et tu te plais? Tu dis, mais depuis là, je prie Dieu. Depuis là, j'adore Dieu. Ça ne change pas. Mais c'est toi qui n'as pas compris ton rôle. Your situation doesn't change because you have not understood your role. Les gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils transportent vont se mettre dans des endroits où il n'y a pas Dieu et ils font n'importe quoi. C'est la preuve qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils transportent. People who are not conscious of what they are, they go to any kind of places, showing that they're not aware of what they carry. Mon ami, my friend, voici mon mot final. Here is my last word. La balle est dans ton camp. The ball is on the side. C'est par tes prières que tu peux redresser. It's through your prayer that you can straighten up. C'est par tes jeûnes que tu peux redresser. Through your fasting you can C'est par tes autels que tu peux redresser. Through your altar you can straighten up. C'est par tes supplications que tu peux redresser. You can straighten up things with Mais la balle n'est pas dans le camp de Dieu. But the ball is not at God's side. Sors-moi ça de ta tête. Take it out of your mind. La balle est dans ton camp. The ball is on your camp. Qu'est-ce que tu fais? What do you do? C'est ce qui déterminera ton avenir. That will determine your future. Dieu vous bénisse. God bless you. Dites avec moi, Père. Say with me, Father. J'ai entendu ta parole. I've heard your words. Qu'elle produise des fruits dans ma vie. Let it bear fruit in my life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu m'as appris qu'il est de ma responsabilité de redresser la situation. You told me that it's my responsibility to straighten up the situation. L'autorité et le pouvoir m'ont été donnés. The authority and the power have been given to me. Pour changer n'importe quelle situation. To change any kind of situation. À partir de ta parole. From your word. Je suis un praticien de ta parole. I am a practitioner of your word. Et par mes paroles remplies de foi. And with my word full of faith. Je modifie les circonstances de ma vie. I change or modify the circumstances of Et my je life. Les aligne sur ta volonté parfaite. And I align them on your perfect will. J'applique ta parole. I apply your word. Efficacement. Efficiently. En toutes circonstances. In any circumstance. Et je marche toujours dans la victoire. And I always walk in victory. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Je refuse de subir. I refuse to undergo. Et je prends toujours le dessus. And I always overcome. Telle est ma mentalité. Such is my mindset. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ.